Une histoire. Ça me rappelle la fois où je racontais la merveilleuse histoire de la lune plate qui devint ronde. Et puis, étrangement, je ne me souvenais plus de la fin, et je m'en rappelle toujours pas d'ailleurs. Et je regardais le public devant moi, il avait l'air bouche bée, un peu interloqué par mon hésitation, et je me suis demandé à quoi servirait un conteur qui ne sait plus compter. Je me suis demandé ce qu'on ferait de moi le jour où le puits serait à sec. Et je me suis souvenu d'une époque où ce fut exactement ce qui m'arriva. C'était une époque où le pays avait faim et où seuls les riches conservaient leur bedaine. Et moi, je vagabondais dans les rues et j'allais frapper pour demander l'aumône parce que j'avais senti les succulentes odeurs d'une cuisine. Et au moment de frapper, un cuisinier hors de lui jette un vagabond sur moi et je tombe dans ma chute. J'entraîne un caillou. Et j'entends le cuisinier qui hurle: Hors d'ici! Et que je t'y reprenne à rôder autour de mes cuisines. Et je lui montre le caillou. Avant même que j'aie le temps de parler, le cuisinier dit: Je fais frire les mendiants qui me font perdre mon temps. Je lui dis: Vous avez bien raison, c'est une excellente habitude. Mais j'ai là un beau caillou, voyez? Et avec un peu d'eau, je pourrais faire une soupe pour mon ami et moi. Le cuisinier me regarde et me dit: Mais tu te moques de moi? On ne fait pas une soupe avec un caillou. Mais vous voulez parier? Alors le cuisinier, un peu surpris, curieux, plus pour la moquerie qu'autre chose, me laisse rentrer. Il me dit: Voilà, voilà ta marmite, ton eau et ton feu. Voyons donc cette merveilleuse soupe. Alors moi, je balance la pierre dedans. Vous pensez bien, un simple caillou dans une marmite tout bouillante. Et le cuisinier reste à mes côtés pendant au moins une demi-heure. Et au bout de 20 minutes, je lui dis: Est-ce que vous auriez un peu de sauce? Un bouillon suffira. Et après la sauce, je lui dis de rajouter les légumes, et puis les pommes de terre, et même de la viande. Et au bout d'une heure et demie, je lui dis: Assez! On ne sentira plus la fine saveur du caillou. Mais rappelez-vous bien sûr que ça n'est qu'une humble soupe au caillou, n'est-ce pas? Le cuisinier mange et me dit: Elle est bonne! Elle est très bonne, ta soupe au caillou. Alors moi, un peu espiègle et malin, je lui tends le caillou. Et je lui dis: Tenez, c'est mon cadeau, je lui lance. Il essaye de l'attraper avec sa pauvre main et manque de se brûler. Cri de fureur, le cuisinier demande justice pour lui et châtiment pour moi. Il m'emmène devant le roi. Il veut m'ébouillanter, mais moi je n'entends que la musique divine produite par mon ventre plein. Il s'adresse à moi et me dit: Quel est ton métier, pauvre fou? On va le faire graver sur ta pierre tombale. Moi, je suis un faiseur de rêves, un conteur d'histoires. Je connais quelques tours de magie. Quand j'ai mal aux pieds, je sais marcher sur les mains. Je sais additionner, mais pas soustraire. Je sais aussi vaincre un dragon. Et à ce moment-là, le roi me coupe dans mon élan et dit: Et tu sais même te moquer d'un cuisinier et faire de la soupe avec un caillou. Hein? Et tes histoires, elles sont comment? Elles sont drôles ou pas? Moi, je regarde le roi, je lui dis: Certaines le sont, d'autres moins et d'autres pas du tout. Le cuisinier empressé: Sire, ordonnez le châtiment. Mon châtiment, le voilà. Je demande que chaque jour, pendant un an, tu me racontes une histoire. Et pour chacune d'elles, je te paierai un ducat d'or, qu'en dis-tu? Moi, c'est le prix que je demande. Mais si un jour tu ne te souviens pas d'histoire, je te donnerai au cuisinier pour qu'il te jette dans son huile bouillante. Vous imaginez les merveilleux jours qui s'ensuivirent. Chaque jour un petit trait sur le calendrier doré. Tous les soirs un public attentif. Ma bedaine bien ronde, presque trop tendue. Quoi demander de plus à un artiste? On mange, on boit. Une caresse auprès de ma nouvelle femme. Et puis arrive le dernier matin, le dernier jour de mon châtiment. Je me lève tout heureux d'être encore en vie. Les ducats d'or débordent de mon pot. Mais vous ne me croyez ou pas, je ne me rappelais plus d'aucune histoire. Alors j'ai pris peur tout d'un coup, j'ai voulu marcher dans les jardins à la recherche de ma mémoire. Et puis ça me trottait dans la tête, l'huile bouillante, le cuisinier, l'huile bouillante. Et puis ma femme
me tape sur l'épaule en me disant: Mon époux, il y a là un homme venu de loin. Et je reconnais le mendiant qui avait partagé ma soupe au caillou. Et je lui dis: Est-ce que tu as faim ou soif? Est-ce que tu veux de l'argent? Il dit: Non, Seigneur. Il se trouve que j'ai 364 ducats d'or. Et je suis venu les jouer contre les vôtres. Puis, tu sais, mon enjeu est bien plus grand. Il me faut trouver une histoire avant le coucher du soleil, sans quoi. Vous me direz, j'aurais dû dire non, mais son or scintillait. J'aurais dû dire non, mais son or brillait. Et le matin passa, il emporta sa fortune avec lui. Il me dit: Est-ce que tu veux jouer encore? Je lui dis: Contre quoi? Je n'ai plus d'argent et j'ai pas d'histoire. Il me dit: Je vais miser tout l'or, contre ta femme. Ben, je lui dis: Non, moi je veux bien bouillir dans l'huile, mais j'ai pas envie de la perdre, elle. Et ma femme, très intéressée avec la fielle qui lui montait, il dit: Vas-y, joue, je suis sûr que tu vas gagner. Alors je joue, je lance deux dés, et je fais un simple 2. Et 2 secondes plus tard, je vois ma femme en train de l'embrasser. Je dis: Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est mon époux, messire, et je dois me comporter comme tel. Il dit: Est-ce que tu veux jouer encore? Je lui dis: Contre quoi? Je n'ai plus de femme et je n'ai pas d'histoire. Je vais tout miser cette fois. La femme, l'or, contre ta propre personne. Tu veux que je me joue moi-même? Après tout, pourquoi pas? C'est lui qui lance les dés. Et il fait un double 6. Alors, je lui dis: Voilà, mon seigneur, me voici devenu votre esclave en ce jour d'infortune. Et je le vois sortir une corde de son sac. Et je lui dis: Est-ce que vous comptez m'attacher comme un chien? Il me dit: Non, comme un lièvre. Et au moment de serrer, il me transforme en lièvre. Il commence à me prendre par les pattes et à me secouer. Et j'entends ma femme qui rit: Oh, qu'est-ce que c'est drôle, tu ne trouves pas? Et moi, je n'ai que des couinements qui sortent de ma bouche. Non, je ne trouve pas. Il me saisit par le cou. Il demande à ma femme: Allez-y, madame, c'est à vous de choisir. Mais plus ça sera petit, plus ça sera commode. Elle hésite une demi-seconde et elle dit: Une puce. Si un jour vous avez un chien, vous penserez à moi. Et j'étais à peine devenu puce que le mendiant m'emmène, lui et ses autres puces, dans son manteau pour tenter le cuisinier. Il arrive devant le cuisinier, il pose 3 brindilles sur la table. Et il dit au cuisinier qu'en soufflant dessus, seule celle du milieu s'envolera, pas les autres. Il lui promet son or, si jamais il perd, et un repas, tu me dois si je gagne. Seulement le problème, c'est qu'il est malin. Il met ses 2 doigts, à gauche et à droite, et il souffle sur celle du milieu. Alors le cuisinier lui dit: Mais tu te moques de moi? Je peux faire pareil, moi. Il dit: Vas-y, essaye voir. Le cuisinier commence à placer ses doigts, il met ses doigts en opposition, et au moment de souffler, ses 2 doigts s'envolent. Il dit: Tu vois, c'est pas aussi simple. Un autre pareil. Le cuisinier commence à hurler: « Va chercher le médecin! Va chercher le médecin !» Le mendiant range son argent. C'est du cador. Et finalement, le cuisinier se ravise. « Je parie. Maudit sois-tu, quel est ton pari? Je vais bouger une oreille et pas l'autre. Essaye de faire pareil. » Alors il le bouge comme ça. Il se teinte l'oreille tout simplement avec la main. Le cuisinier dit: Mais tu te moques de moi? Je peux en faire autant moi-même. Et au moment de le faire, il s'arrache l'oreille, le pauvre. Alors vous direz: C'est un pauvre type, mais il n'a que quelques pour en moins, alors que moi j'avais tout perdu, j'étais plus qu'une puce. Et puis, le moment fatidique commence à arriver, le roi commence à grogner: Où est mon conteur d'histoire? Qu'on aille me le quérir. Et son chambellan lui dit: « Sire, il y a là un homme venu de loin qui veut vous divertir. »« J'ai horreur qu'on me divertisse, » dit le roi. « Je veux mon histoire et je la veux tout de suite. » Et c'était le mendiant devant la cour. Juste à côté du roi, un peu plus bas, le prince.
âgés de 7 ou 8 ans à peine, et les enfants ont cette vérité très propre à eux-mêmes. Il sent le mendiant comme s'il fait, mais il pue. Le mendiant lui dit, je suis capable de bien des offenses, Seigneur, et pas seulement envers votre nez. Et je sais lancer ma corde d'une façon fort habile. Il lance la corde, mais elle ne retombe pas. Et puis il montre une balle qui brille au prince. Il la lance également. Elle ne retombe pas non plus. Et le prince commence à demander la balle. Donnez-moi la balle, où est la balle? Obéissez. Mais elle est au sommet de la corde. Mais il ne sait pas grimper à la corde. Non. Mais avec une échelle, ça devrait pouvoir le faire, non? Et il transforme la corde en échelle. Et il invite le prince à monter. Alors l'enfant monte, 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 monte. Et au bout d'un quart d'heure, le roi dit, c'est bon, tu peux descendre maintenant. 2 minutes plus tard, un objet brillant tombe du ciel. C'était la balle. Mais toujours pas de prince. Alors le roi commence à grogner, les indignations, les hurlements du roi, et dans l'huile. Le cuisinier est trop heureux de voir arriver ce petit vagabond. Il lui dit, approche un peu, c'est terriblement chaud, hein? Dans l'huile qui bouillonne. Et dedans. Mais au lieu de s'ébouillanter, notre magicien, car c'en était bien, ressort en se grattant le dos comme s'il était dans sa baignoire. Et moi j'étais dans ses poils, vous pensez bien. Il faut se réchauffer comme on peut. Je lui dis, fais attention quand même. Il dit, t'inquiète pas, ma puce. Il commence à se gratter le dos, et le cuisinier se dit, mais c'est pas possible, ça devrait pas se produire, elle est bouillante. Il met sa main dedans, et ses 2 doigts repoussent. Comme par instinct, il essaye de voir si son oreille est en place, et son oreille est revenue. Et le prince ressort de la marmite. Et moi, je n'étais plus là, j'étais devenu un courant d'air, un élément, je flottais, et d'un seul coup, le sol arrive à mon rencontre et je me retrouve avec mon argent et ma femme toute souriante. Mais la garde du roi s'approche de moi. J'arrive devant le roi épuisé et le roi me dit très solennellement, dis-moi, la journée est presque achevée et je n'ai pas entendu ton histoire. Tu te rappelles mes conditions? Tu dis, sire, je n'ai pas d'histoire à vous raconter. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui m'est arrivé. Et c'est là, voyez, que je lui raconte cette histoire de lièvre, de puce, la pire journée de ma vie, la cruauté de ma femme. Et à la fin de cette histoire, il y eut un silence. Et les larmes coulaient sur les joues du roi, sur celles de la reine. Et on m'a dit que c'était une merveille, mon histoire. Une merveille. Et on la raconte encore aujourd'hui parce que le roi ne veut écouter qu'elle. Et le cuisinier a gardé mon caillou en souvenir. Et quand passe un mendiant, il lui donne de la soupe. Mais évidemment, on a changé la fin. Alors que ma femme est partie, elle était beaucoup trop charmée par le mendiant. Elle était pourtant jolie avec ses cheveux ronds. À bientôt.